na 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 non, 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 je voulais chanter le jeu. Non, s'il vous plaît, laisse-moi sortir, je peux pas sortir des... Ah si. Hey, salut les loulous, c'est Gamino pour Eva Sound Studio et aujourd'hui, on se retrouve pour un let's play sur Le Roi Lion, The Lion King. C'est écrit sur votre écran et c'est écrit dans le titre de la vidéo. Eh ben non, c'est pas écrit à cause du logo. Donc Le Roi Lion sur Mega Drive, développé par Westwood Studios, donc sur Mega Drive. Je l'ai déjà dit. Édité par Virgin Interactive et qui est sorti en 94, donc je crois que c'est l'année du film. Si je dis pas de bêtises. Et on va commencer sans plus tarder, évidemment. It starts. It starts. Bon alors. C'est un jeu de plateforme, hein. Tout ce qui est plus classique, j'ai envie de dire, c'est le classico. Franchement, il est pas mal, j'aime beaucoup. Même comparé à des jeux de 2016, je veux dire, GTA V à côté, bon, c'est pas grand chose, hein, ma vie, évidemment. Non, franchement, ce jeu est très très beau. Après, j'ai pas trop de références de ce qui est sorti en 94, donc milieu des années 90. En tout cas, ça j'aime beaucoup. Bref, on va faire de la plateforme. Et mets ta vie qu'on va rager pas mal. Meurs, démon. Le Roi Lion, hein. Le Roi Lion, le Roi Lion. Qui ne connaît pas, qui ne connaît pas. Perso, c'est mon Disney favori. Enfin, disons ma licence Disney favorite parce que j'ai aimé les trois. Enfin, même s'il y en a deux, mais il y en a un, c'est un demi, mais ça compte pour un parce qu'en fait, ils ont pas fait un demi-film. En fait, ouais, bon, voilà quoi. Enfin, vous m'avez compris. Comment ça, non? Alors, faut savoir par contre que je suis hyper mauvais en plateforme. Ça, ça va être très très drôle. Enfin, drôle. Pour vous. Pas pour moi. Ah, pour moi, ça va pas être drôle, non? Hop, là-bas, on a vu qu'il y avait une vie. Hop. Non, s'il te plaît. Merci. Meurs. Alors, j'ai jamais joué à ce jeu, à part le premier level que j'ai fait le début pour... Ils ont configuré ma manette, parce que je ne joue pas sur une manette de Mega Drive avec 6 boutons. Je joue sur une manette de 360, hein, tu sais, plus classique. Mais du coup, pour trouver des bons boutons à configurer, c'est relativement compliqué. Bim. T'es nul, aïe. D'accord, t'es pas si nul en fait. La caméra est horrible. Meurs. Bon voilà, le premier niveau il était facile. Alors si vous ne parlez pas anglais, eh bien... Tant pis pour vous. Non, il a dit tout ce qui brille dans la lumière sera ton royaume. Enfin, et notre royaume. Et là on arrive au niveau psychédélique, à base de rhinocéros, de girafes, de singes, mais pas que. Alors non, alors si je me trompe pas, c'est les singes roses qu'il faut apeurer comme ça pour que les singes nous lancent dans le bon sens. Car les singes sont pas très fut-fut en fait, hein, ils nous balancent dans à peu près n'importe quel sens. Ah oui, les autruches. Attention. On se balade à dos d'autruche dans la savane. C'est trop bien. Faut que j'arrête de parler, sinon je peux pas me concentrer sur le jeu. Ah, maman. Bon, après ça va, le début est relativement simple. Bon, j'ai foiré le tuto de l'autruche. À ton avis, Lo, je me rattrape à la girafe parce que la plateforme elle est mal placée, ou je prends un bain et je meurs dedans? Voilà, j'ai foiré les girafes aussi. Je vais pleurer. Hop. Alors par contre, si ça fait comme ça pendant tout le long de la vidéo, je sens que... Déjà, je vais rager, bien sûr. Bon, attendez. Je me concentre.
Bébé rhinocéros. Attention, il y a un nid. Bébé rhinocéros. Double jump. Wouhou! Maman! Les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils les jambes? Non, c'est pas ça le texte. D'accord, donc si l'autruche se prend un obstacle, c'est dead également. D'accord. Bon, il faut le retenir. Avoir le bon timing avec le double saut aussi. C'est pas forcément très simple. Nyon. Allez, l'autruche. On se concentre. On ne cligne plus des yeux. Attention le double saut. Yeah. Attention le nid. Allez, je suis prêt pour les JO là. Et un checkpoint, oui. Alors là, c'est une partie que je sens que je vais détester. Ah non, c'est bon. Parce que les queues de rhinocéros, elles ont une hitbox un peu special, dirons-nous. Ni. J'avoue, je me suis emmêlé les pinceaux. The king has returned. Ah, la magie du montage. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Moi, je dis on y croit. Après tout, le jeu est simple. Le jeu est même trop simple. Eh, on est qu'au deuxième niveau, là. Attendez, l'épisode où je suis au dernier. Vous allez bien rire. Pas moi. moi non, je vais pas rire du tout. Mais ce sera drôle quand même. Pourquoi l'autruche, elle se le prend? Ok. Je pense avoir compris le truc. Faut pas faire un long saut, faut... juste faire un saut. Et là, on a le checkpoint. Ouh. Non! Please. Et là, quand j'y vais bourrin, ça marche. Bon, vraiment, c'est une fois sur deux. Hein. Mais j'étais dessus! J'étais encore dessus. Non. S'il vous plaît. The king has returned. Je crois que j'ai compris. J'ai compris où est la hitbox de leur queue. Oui. Même Simba il me dit que c'est cool. Allez, là, on se concentre. Ne jamais aller aussi loin. Maman, aide-moi. Give me your energy. Ah, un saut. Ah, juste...
juste un saut. On se baisse. Un double saut. On se baisse. On se baisse. On saute. Un double saut. Oui. Alléluia. Ah, checkpoint. Bonjour. On prend celui-là. Ah, une vie. Toi, je suppose qu'il va te... On va faire ça déjà. Ah, j'ai réussi à trouver où est la hitbox des machins trucs dont j'ai oublié le nom, ça s'appelle un rhinocéros. D'accord, donc toi, il faut te raor. Et là, théoriquement... Oh. Ah oui. Et il vénère quand même. Donc je suppose que toi, il faut te raor aussi. Bah non, on peut pas. On est d'accord, je suis sur une autre île, là. Apparemment, faut retourner là-bas. Non. Allez. Moi, j'y crois. J'y crois depuis toujours. Hop. Hein? C'est comme ça. Ah. Oh, si ça marche. Ça marche pas. Toi, j'étais déjà raor. Oh, je vais me perdre. Laisse-moi atterrir, s'il vous plaît. Laisse-moi atterrir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est gênant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très gênant. Peut-être toi. Ah non, il me lance de l'autre côté, pardon. Ok, alors toi. Semblerait-il que non. Attends, toi, si je te raor pas... Oui, je dis raor au lieu de rugir. Parce que je fais ce que je veux, en fait. Ah, ça fait un autre truc, là. Oh! Alléluia! Alléluia! Aïe. Non, non, non. Non. Mourez les mobs. C'est bon? Je peux faire mon outro tranquille. Ah! Les deux premiers niveaux, c'est fait. Oui, j'ai quand même bien galéré au deuxième. Alors là, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Honnêtement, ça va être compliqué. Bref, en attendant, je vous dis au revoir à tous. Merci d'avoir suivi ce premier épisode qui aurait été très laborieux pour moi. J'espère les suivants, ça ira un peu mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Eva Sam Studio pour la suite du Roi Lion sur Mega Drive.